Salut tout le monde, je vais me maquiller et bienvenue dans la partie 2 de ma mini-série pour faire mon costume du lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. Dernière fois, j'ai fait des pantalons. Si vous l'avez pas écouté, allez-y. Sinon, tout le top ici puis tout le restant en haut, c'est juste des choses que j'avais chez nous. Et aujourd'hui, je vais faire une espèce de petite capelette qu'elle a, que personne n'a. Dans le fond, je l'ai inventée parce que je trouve ça vraiment cute sur les costumes historiques que j'ai vus, comme ça. Fait que je fais mon propre design, si vous aviez pas deviné, parce que j'ai fait mes vidéos en désordre et je l'ai jamais mentionné, mais j'ai fait mon propre design. Et ce qu'il me faut, c'est un tissu blanc parce que je veux faire un effet de carte de jeu, un peu sur, comme sur les designs du lapin blanc ici. Fait que je vais faire des petits cœurs que je vais coller dessus puis coudre après. Fait qu'il me faut du blanc pour l'extérieur de la cape, puis l'intérieur de la cape, n'importe quel tissu qui va fitter avec ça. Et heureusement pour moi, il me reste du magnifique tissu or de mon costume de Anastasia. Et il m'en reste exactement un beau rectangle. Puis c'est parfait parce que la cape, on peut la faire soit en demi-cercle, soit en rectangle. Puis ben, étant donné que j'ai déjà un rectangle or, je vais la faire rectangle. Donc, vous pourriez la faire plus grande, plus longue, plus ce que vous voulez. Mais moi, j'y vais avec ce que j'ai. Puis ce que j'ai, c'est un carré ici qui fait environ 1,5 m par... un peu moins d'un mètre de long de la cape. Parce que ça, ça va aller comme un en dessous de mon bras, puis l'autre, puis par-dessus ici. Fait que, aussi long que vous voulez, parce que plus qu'elle va être longue, plus qu'il va y avoir de plis dedans, comme n'importe quoi. Moi, puis les mathématiques, ça fait 4, donc je calcule rien. Mais j'ai ça pour l'intérieur, puis pour l'extérieur, ben, d'un autre projet. Il me restait du velours blanc. C'est comme un petit blanc un peu crème. Fait que ça va aller super bien avec le reste du costume qui est justement un petit peu plus crème que blanc. Bref, je les ai mis les deux un bord, puis je vais aller passer un overlock partout pour qu'il soit sûr qu'ils bougent plus, puis qu'ils restent ensemble les deux. Puis pour le bas aussi, le côté or, c'était un vieux rideau, puis il y avait déjà une bordure de fait. Fait que je suis juste allée couper mon tissu blanc un petit peu plus court où est-ce que la bordure finissait. Puis je vais aller sûrement... coudre par-dessus des bordures de dentelle ou peu importe pour cacher la finition ici. Puis ça va faire super cute parce que je vais avoir une bande or à l'extérieur aussi. Ok, maintenant que mes deux rectangles sont maintenant un seul, j'allais faire un petit overlock comme ça tout le tour et qu'ils tiennent ensemble. Puis en bas ici, j'étais allée faire un zigzag puis mettre mon petit ruban par-dessus. Fait que tout est parfait. À part ici, j'avais oublié de changer le fil, fait que le zigzag est brun, mais je pense que je vais juste aller le cacher avec, avec ça ici à la fin. Là, je vais aller rajouter une petite par-dessus, puis ça paraîtra plus. Mais pour l'instant, je m'occupe de ce bord-là. Puis pour aller faire la finition de ce côté-là, je pense que je vais faire la même chose qu'ici. Fait que je vais juste aller retourner ici mon rebord. C'est environ un quart de pouce tout le long, puis je vais aller remettre... du rouge, fait que ça va faire à peu près la même chose qu'en bas, comme ça là. Tu vas avoir un petit peu de or puis le rouge à l'intérieur. Fait que je vais faire ça. Donc, ma cape est pleine de bling bling partout et de pompons. Je vais en rajouter aussi sur le petit côté ici. Donc maintenant, ça c'est fait. Avant d'aller coudre les cœurs dessus, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller la plisser tout de suite sur mon épaule parce que je veux qu'elle tienne juste sur une épaule puis qu'elle passe en dessous du bras de l'autre, dans le fond, là, comme les capes... Donc, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais aller la placer à peu près comme que je veux. Je vais aller l'épingler pour que les plis tiennent tout à bonne place parce que je veux que le dos soit presque tout plat puis qu'il y ait beaucoup de cap sur l'épaule, mettons, pour faire un bon volume. Puis qu'elle sorte pratiquement pas ce côté-ci, là. Fait que ça, elle va être comme juste en dessous du bras ici. Puis tout le reste va être ici par-dessus. Fait que je vais aller juste l'épingler puis la piner en place. Puis après, faire une ligne de couture pour que les plis tiennent. Puis comme ça, on va donner un bon gabarit de où est-ce que les cœurs devraient aller pour qu'on les voie bien.
Donc, ça me donne ça ici, c'est mon épaule, puis ça, ça va être dans mon dos. Puis, pour faire le col, ce que je vais prendre, c'est la même dentelle qu'il y a sur mes genoux, sur mon pantalon. Je vais aller la coudre ici. Comme ça. Puis, j'ai aussi de la fourrure comme ça, que je vais aller pareillement placer en haut. Juste comme ça. Puis pour la tâche, ben j'avais pensé soit un ruban ou soit de la chaîne. Je sais pas encore lequel des deux je vais prendre, fait que je vous reviens avec ça. Celle-là va aller par-dessus, puis celle-là va aller en dessous comme ça, face. Oups. Face comme ça. Puis comme ça. Fait qu'on va avoir un sandwich de trois épaisseurs. Dans le fond, la dentelle, notre cap, puis à l'envers, il y a la fourrure ici. Que quand on va revirer. Ah ben non, je l'ai encore mis à l'envers. La fourrure comme ça, à l'envers, pour que quand je la revire, elle soit à l'endroit. Je vais l'avoir. Je crois que pour décorer un peu la petite bande de fourrure ici, parce que là c'est blanc sur blanc sur blanc, je vais aller rajouter c'est des petites fleurs ici comme ça, que j'ai trouvé au Dollarama, c'est un paquet genre de... il y en a une bonne dizaine. Puis je vais aller, dans le fond c'est des petites tiges de métal qu'il y a en arrière de la fleur. Je vais aller les piquer devant au travers de toutes les épaisseurs de dessus. Ça va tenir ma fourrure à la bonne place, puis en même temps, ça va faire un petit détail rouge sur la fourrure. Et je vais aller faire une petite rangée de fleurs comme ça. Puis ça va être tout mignon, puis en même temps, ben, ça va tenir le col pour pas qu'il bouge trop. Comme ça ici, tout ce que je viens de faire, c'est que je la pique au travers de tout, puis je la repique dans l'autre sens, puis je vais l'entortiller autour de la fleur, puis ça tient la fleur à la bonne place sans besoin de la coudre ou de la coller. Tada! Bon, okay. J'ai manqué une étape, j'ai juste passé un ruban dans le fond entre les fleurs puis le dedans ici là. Je suis juste allée passer un ruban qui fait tout le tour puis qui ressort ce côté là ici. Puis ça, il est juste passé entre la fourrure puis la dentelle dans le fond. Puis il tient avec les fleurs, fait qu'il passe juste ici. Fait que même pas besoin de couture, j'ai juste fait une petite boucle en haut ici. Et ma cape tient parfaitement. Alors, je t'ai découpé des petits cœurs comme ça. C'est fait en... c'est du tissu polar que j'avais, mais en feutrine, ça ferait aussi la job. N'importe quel tissu qui s'effiloche pas, dans le fond, va faire la job pour ce que je veux faire. Fait que j'ai des gros et des plus petits. Puis j'étais allée les épingler sur ma cape, voir quel design que je voulais. Présentement, ce que j'ai, c'est à l'arrière, un très gros cœur avec quatre petits autour. Sur le côté, deux, moyen, mettons, cœur. Puis devant, trois petits cœurs. Je vais aller les redécouper un petit peu parce qu'ils sont un petit peu trop gros à mon goût. Mais pour le placement, mettons, je pense que c'est pas pire pantoute. Je trouve que ça fait pas mal joli, dans l'arrière comme dans l'avant. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est les coudes de dessus. Mais ça me tente pas de coudes, donc je vais les coller par simple lâcheté. Et j'ai aussi trouvé dans mes affaires, c'est du trim comme ça. Rouge, puis j'en ai trouvé aussi, c'est comme un petit ruban de paillettes. Fait que je vais aller mettre ça tout le tour des cœurs pour faire une plus belle finition dans le fond. Puis je vais aussi les coller par l'encheté. Parce que coudre, c'est bien, mais coller, c'est plus facile. Thank you.
Je m'excuse pour le bruit, j'ai l'air climatisé qui marche parce qu'il fait très très chaud ici. Ma cape est maintenant terminée et ça veut dire que cette vidéo aussi est terminée. Donc pour l'instant, je vous quitte sur cette jolie cape et je vous dis à la prochaine! Bye!